Mesdames, messieurs, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Monsieur Chabrol, qui avez-vous affecté sur l'affaire du meurtre de l'écrivain Raoul Mons? J'ai spécialement détaché sur cette affaire l'inspecteur Lavardin qui est... Eh oui, je suis flic. Comment pouvez-vous faire confiance à un inspecteur aussi porté sur la bouteille? Non, mais écoutez, vous faites une confusion grossière avec Philippe Marlowe. Lavardin ne boit plus une goutte d'alcool. À la police française. On dit qu'il a des manières pas très catholiques. Ouais, ben on dit ce qu'on veut. Il n'empêche que l'affaire avance, et vite. Entracte, messieurs, dames. Police. Dans une enquête policière, on évite rarement les méthodes un peu brutales, et votre inspecteur y va souvent un peu fort. Non, pas du tout. L'inspecteur Lavardin est un homme très affable. Très affable. Oui. Vous voyez que je peux vous briser le dentier si je veux aussi. Si je résume, malhonnête, violent, alcoolique. Alors pourquoi Lavardin? Bonne question. C'est parce que c'est un homme qui connaît parfaitement les ficelles du métier. C'est costaud, ça, hein? Ça sert à ligoter les tournedos. Ah, ben ça, j'avoue, oui, il est plus culotté que Maigret, mais enfin, c'est un homme qui sait mettre les formes et on l'apprécie beaucoup. Écoutez, inspecteur, entendons-nous bien. Comme je vous l'ai dit, vous m'êtes sympathique. Mais vous aussi, vous m'êtes sympathique. On a l'impression que vous protégez l'inspecteur. Vous êtes ami de longue date? Ben, je dois reconnaître que nous avons quelques points communs, dans le domaine gastronomique notamment. C'est à la seconde près, ces petites bêtes-là. Est-ce que la presse pourra compter sur la coopération de l'inspecteur pendant l'enquête? Absolument! Vous pourrez faire votre travail en toute sérénité. Merde! Monsieur Chabrol, une dernière question. Monsieur Chabrol, l'affaire est entre les mains d'un homme intègre. Absolument, Lavardin est d'une honnêteté irréprochable. Répète. Okay.